Dernier de nos jours, dernier, pardon, bon petit temps, représenté en zone à risque. Donc, la police, là, déploie une unité spécialisée. Donc, c'est dépendamment de l'étude que nous faisons sous zone, là, et nous agençons à plan de sécurité que nous gagnons. Donc, c'est ça qui fait que vous êtes peigné, c'est une unité spécialisée qui l'a, la commissariat. 24 ans après déclaration Sila, groupe civil armé qui gagne en tête li vite l'homme innocent crasé plate coupinaise sous commissariat qui dans localité Peigné commune Pétionville dans la nuit de samedi 28 janvier. Situation Sila, la gè gros la Pérez la caille citoyen qui vivent dans zone ça. N'a rappelé policier qui était affecté dans poste police Sila t'est abandonné dans l'idée pour être capable protester contre assassinat 6 frères d'Amieux dans lien coup 25 janvier passé à. Dans un rapport service départemental renseignement police l'a adressé sur assassinat policier yo, fait qu'on ait gain 3 hauts gradés dans l'institution police là, soit 2 inspecteurs généraux avec un commissaire divisionnaire, 4 gangs avec une organisation politique qui impliquée dans l'attaque si là, dans objectif pour être capable assassiner commissaire police Saint-Marc là. Sous question ça, gagné syndicat national police haïtienne dans Sinapoa qui mandé inspection générale police là avec la justice pourtant des pressé directeur départemental police là Tibounit là Jean Bruce Myrtil pour capable bailler explication sur la mort 6 policiers. Cependant, force de l'ordre continue à exiger bon champ matériel pour capable contrecarrer contre bandits qui a terrorisé population. Dans une rencontre avec la presse vendredi 27 janvier 2023 passé, directeur général police la France LB te fait connaître depuis elle renforcer capacité opérationnelle commissariat police. Lui rappelle tout, c'est pour petit 3 postes police qui en bas contrôle bandi. Parmi eux, commissariat Matissan, commissariat Grand Ravine et commissariat Cité Soleil pour ne citer ça seulement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de filmer pour VOA Créole.